Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous apprendre pour les pratiquants du bug d'Athéon. Eh bien c'est officiel, le bug sera patché très très prochainement. Donc il faut savoir que les studios Bungie ont eu vent de cette technique par le biais de vidéos d'Américains qui ont été diffusées sur YouTube. Donc je le précise parce que je me suis fait complètement agressée par certaines personnes suite à la découverte de ma vidéo d'Athéon sur la chaîne. Donc voilà, je tenais à le préciser, ce n'est pas à cause de moi que le bug a été patché. Messieurs, je vous en prie, ayez un petit peu de logique. Donc concernant la technique en détail, eh bien tout simplement, ils vont mettre des espèces de pare-chocs au bord des corniches qui évitera à Athéon de tomber. Et les trois joueurs les plus éloignés ne seront pas forcément les joueurs qui seront TP, mais le TP sera bien fait de façon aléatoire. Donc c'est un patch qui logiquement devrait voir le jour la semaine prochaine. Alors c'est vrai que le débat est un petit peu houleux. D'un côté, ça va ravir les puristes qui fulminaient de voir des débutants accéder à une victoire sur leur week-end de repos, une victoire jugée trop facile à leur goût alors qu'eux en sont à leur 50e raid sur leur mois de chômage. Donc ceci dit, cela va pimenter un petit peu le jeu et ça va permettre aux gamers d'élargir leurs capacités puisqu'il faudra dorénavant maîtriser un petit peu tous les postes, à savoir ceux qui sont téléportés mais aussi ceux qui restent dans la salle pour couvrir les différents portails. Donc voilà, ça va permettre de mettre un petit peu plus de niveau et ça va respecter la volonté première de Bungie qui était de mettre un niveau crescendo dans ce raid. Sur ce, bon game à tous et n'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver dans une sphère virtuelle, que tuer un boss dans un jeu ne fera jamais, jamais de vous des dieux, je suis désolée. Il y a des priorités beaucoup plus saines comme par exemple ne pas oublier de vous amuser, je pense que c'est essentiel. En attendant, bisous à tout le monde et à très vite pour de prochaines astuces sur du Destiny. Ciao, ciao!